Ok les refs, aujourd'hui on dort ici. Pourquoi t'as peur? Mec, j'ai chaud de fou. Ah oui, ok, je comprends mieux. Allez, go! Wesh! Wesh, il a tourné. Vous embarquez avec moi. Et ce soir, on va faire plein de trucs. Il y a aussi un espace énorme de trampoline park, rien que pour nous. Et merci à Nikito de nous avoir invités ici. Et là, vous vous dites, on a déjà dormi dans un trampoline park. Mais c'est pas tout. Il y a aussi une partie jeu incroyable. Et les gars, regardez, il y a aussi une pièce remplie de Lego énorme. On va pouvoir faire plein de trucs. Ouais, ça fait un peu mal par contre. Il y a aussi des petits parcours. Let's go, qui va gagner? Wow. Et il y a aussi une piscine à boules juste pour nous. Merde. Aïe! Stop! Et il y a aussi ça. Et c'est pas tout. Bon, le trampoline park commence à se vider. Et nous, on va dormir là, hein. Les gars, c'est un scandale, il y a des gamins à l'accueil, ils disent je veux pas partir si on a pas d'autographe. C'est un scandale. Ah, ils veulent pas sortir? Pourquoi vous voulez pas sortir? Ça veut rester avec vous. Bon allez les gars, merci, on va très bien, bonne soirée. Bon les gars, ce qu'on va faire, c'est que cette petite voiture à 20 euros à action, on va essayer de l'amener le plus haut possible. Celui qui l'amène le plus haut gagne. Et après, j'ai une autre voiture, celle-ci elle va à 50 km/h. C'est un abonné qui me l'a prêté pour cette vidéo. Merci à toi mon ref, Matisse. Bon, vous pensez que c'est laquelle qui va aller plus haut? Celle de Matisse, hein. La voiture de l'abonné, mec. On l'avait déjà testé, il était venu dans le studio. Avec sa voiture, on l'a testé, c'était une dinguerie. Celle-ci. Après, ça se trouve, celle-ci elle nous cache beaucoup de choses, hein. Vu la télécommande, frérot. Savoir qui commence, on doit faire un vroom vroom. Celui qui fait le plus beau vroom vroom, il commence. Vas-y. Vroom vroom. Vroom. 3, 2, 1. Wesh, mais attends, il a à peine dépassé la caméra. Oh non. C'est un peu ça, c'est vrai. Oh, attends, mec, est-ce que tu veux que je te fasse une petite poussée? Ah ouais, vas-y, viens une poussée. 1, 2. T'as niqué le moteur. Ok, bon, les gars, elle aura peut-être pas gagné en montée, mais en descente, elle va gagner. Vous êtes prêts? Oui, capitaine! Je pense qu'elle va gagner en descente. C'est hier, fais attention à toi. Ouais, hein. Je gère. Prêt? 3, 2, 1, 2, voilà! Wow! Là, les gars, ça rigole pas là. Oh, ouais! C'est déjà mieux là. 3, 2, 1, go! Wesh! Mec, ça, si tu prends des dents, il y a un truc à faire. Voiture VS trampoline, qui va gagner? Wesh! J'ai la réussite pack. Tout là, au GoPro. Wesh! Oh. Encore. Mec, essaye de la faire vraiment décoller, mec. Wesh! Back elle fait du backflip. Bon les refs, je viens de commander, c'est parti. 54€ la livraison. On a commandé taille les gars. J'ai pris un petit low clac poulet pané. Thaïlandais, je mange de plus en plus, j'adore ça. En plus ça fait moins grossir, ça fait moins culpabiliser que les McDo et tout ça en vrai. Mais c'est un peu gras quand même. Le beurre il est là je crois dans une minute. Let's go vite. Oui, je suis devant la grille. Les gars, je suis déjà mort. Ça fatigue trop le trampoline park. Avant j'adorais, mais maintenant je suis encore plus crevé qu'avant. C'est horrible. Allez, c'est parti, on va manger. Les gars, sur la commande Uber Eats, c'est pas toi, j'ai marqué. S'il vous plaît, 3 petits nems, ça serait adorable. Okay. Et là, mis 2. C'est pour moi. Arrête, tiens. Arrête. Je me contrôlais plus. Bon bah, les gars, bon app, hein. Bon appétit. Bon appétit. Oh là là. Mmh. C'est trop bon. Loc lac au poulet pané, c'est une dinguerie. Oh, c'est trop bon. Bon, les gars, concours d'avion, qui va le lancer le plus loin? Je suis au lycée. Je prends le rouge. Le vert. Ok, j'ai le orange. Ça rapproche du jaune en vrai. On va voir qui va aller le plus loin. Pronostic, il va aller sur le matelas gonflable. Ah ouais? Ah ouais. Ah, tu vises pas loin, toi, hein? Mais gros, c'est quoi ce lancer de merde? Waouh. Waouh, gros, c'est quoi ce lancer de merde? Bien, mec. T'as pas lancé là, tu l'as lâché? Bah, vas-y, on verra si tu vas faire mieux. Vas-y, sûr, je vais faire mieux. T'es prêt? Ouais, vas-y. Oh, il a fait plus d'une! Il est là! Frérot, il est là! Non, mais en fait, je t'explique. T'as dit quoi, tu j'ai mis... Non, mais j'ai mis les deux doigts et en fait, je te jure, en fait, je pensais vraiment que. En fait, je l'ai amené vers le bas comme un coup. Ouais, voilà. Ça, c'est des excuses, c'est pas pris en compte, mec. En fait, faut le lancer super fort. Les gars, laisse taper ça. C'est free win là pour moi, là. Mec, faut lancer toute ta force, sinon c'est horrible. Oui, non. On compte sur toi, t'es le mec qui peut sauver notre honneur. Franchement, la vérité, je vise après le matelas gonflable. Oh non, dommage! J'ai quand même gagné! T'as fait le plus loin d'entre nous là. Est-ce qu'on fait une petite manche 2? Deuxième manche, c'est parti! Vas-y, Raphaël, c'est à toi! J'ai capté qu'il part vers la droite, du coup je vais essayer de lancer vers la gauche. Comme ça, il va faire une rotation d'arc de cercle triangulaire. Trop de théorie. Wow. Pour au final. Attention à mes vœux, gros! Hein? Non! Ah! Pierrot est encore! J'ai gratté un peu de. de temps. 3, 2, 1, go!
Non mais wesh. Non mais oh. Ça a touché le plafond. Non, ça a touché le truc, les hélices. Ah j'ai raté ça. Vas-y. Ça mon erreur. Ouais, d'ailleurs tu vas aller chercher. Oh putain, c'est à moi de chercher. On fait chacun son tour. Ouais. Franchement, moi, dernier essai, je vais faire comme ça le planeur. Je pense c'est une bonne idée, vas-y, fais-le. Ouais. Pour vous prouver que vous vous trompez pas, je vais faire en premier. Comme ça, vous allez voir que je me trompe pas. Pourquoi vous croyez pas en moi là ? Non, t'inquiète. Ah ouais. En vrai, de base, tu l'aurais lancé fort, ça aurait fait un looping. En fait, il est resté long en l'air, tu vois, c'est ça qui m'a rassuré, mais le truc, c'est qu'il a pivoté, du coup, il est revenu en arrière. Vas-y, Rafato. À moi ? J'ai envie de passer en arrière, parce que là, j'ai envie de faire une dinguerie. Celle-là, c'est pour Bibi. Oh ! Ok. Bien joué, merci. Bon les gars, moi je lance pas avec un avion, mais avec un avion supersonique. Wow. Mais frère, le mec il cède. Non, c'est pas de la triche. Oui. Frère, t'as un cheat code là, il y a un élastique et tout carrément. Mais non, c'est un avion. En plus, il est petit. En plus, il atterrit, il a des petits trous. Comme ça, il continue d'avancer. Ça. Wesh. Clairement, il veut déjà s'en aller le truc. Avouez, vous êtes jaloux. Le mec, il a un Glock Fortnite entre les mains. 3, 2, 1. Déçu. La déception en personne. Non mais attends, c'est à cause des roues. Pourquoi ils ont mis foutu des roues super lourdes sur un avion qui devait planer? Parce que vraiment, tu prends ta main, ça va plus vite que le pistolet quoi. Ouais. Les gars, regardez, j'ai arraché les roues. Et vous allez voir, je vais gagner. Parce que c'était trop lourd. Pronostic, vraiment, ça va pas aller plus loin. Oh non. Ouais, ça va super loin en vrai. J'ai gagné. Ça va plus loin que l'avion. C'est une catastrophe cet avion. Mais la prochaine activité, vous allez voir, c'est encore mieux. C'est parti pour le saut du trapèze. On va devoir monter là-haut, faire un saut chacun notre tour, et on sera deux ici à juger pour savoir qui fera le meilleur saut. Je vais vous impressionner vraiment, pas moi. Mal au pied. Anthony commence. Ok. Anthony commence. Ah oui, et on va devoir monter avec une tenue particulière. Bonjour à tous. Oh. Bonjour monsieur. On doit juger qui, l'alien ou le monsieur qui se fait porter? C'est la prestation. Vous faites ce que vous voulez. Ça va s'appeler l'adolescence. T'as pas fait tes devoirs encore! Tu vas être fini! Arrête! Papa! Je vais en faire là! Toujours tu veux finir avec ça! Mon daron était pareil! Alors, ma note? Franchement, je te mets un bon. C'était drôle, donc 9 sur 10. J'ai bien aimé la première prestation, la mise en scène, le jeu, tout était bon, propre. Pour moi, ça sera un 8. Un peu déçu de la réception, mais la mise en scène était incroyable. Okay. J'ai bien aimé. Merci. C'est à toi, jeune homme, c'est quand tu veux. Comment s'appelle ta situation? Ma situation s'appelle l'enlèvement du petit enfant. Dis donc, ça, on dirait vraiment. Putain, de côté, c'est hyper bien fait. Ah, c'est en fait, ça fait bien. Ok, vas-y, bah, on veut voir ça tout de suite. Non, mais c'est la tienne, arrêtez! J'ai pas envie de sauter! On va lâcher l'enfant? Non! C'est en fait, il se débat un peu. Ouais, mais un touchement vers la fin quand même. Ah ouais, j'avoue, bizarre. Hein. Bizarre. Je viens de sauver. En vrai, je voulais vraiment te sauver. Vraiment. 9 sur 10 là. Oh. Franchement, 9 sur 10. Voilà. Tu l'as bien fait. Le moment de venir au bout là-bas, c'est à toi, Seiya. Alors moi, par contre, j'ai vraiment hâte de voir la prestation de Seiya. Seiya! Mec, on a qu'une seule vie. Il faut aller jusqu'au bout dans sa vie. Il faut prendre des risques. Seiya a très peur, voilà, on le dit. Il te regarde. Nous, on te regarde. C'est quoi, je vais faire comme lui. Les gars, dans la description, sur ma chaîne secondaire, il y a le passage entièrement sans cut, sans rien, qui est très long. D'ailleurs, les gars, ouais, abonnez-vous à ma chaîne secondaire. Il y a des vidéos qui vont sortir, où en gros, vraiment, c'est chill. Je me prends pas la tête. Allez, essaye. Oh! 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 T'atterris sur le dos, mec, c'est chill! T'es trop mignon avec le costume, mec, vraiment là! Faut immortaliser ça, les gars, je veux screener toutes ces photos! Mettez-les en photo de profil, s'il vous plaît! Ah, ça serait incroyable! Le mec, ça fait 10 minutes qu'il hésite à se lancer, et genre là, il atterrit, il est déçu parce qu'il voulait faire un backflip! C'est pour ça que je suis bloqué, gros, je voulais faire un backflip! Mais il parle sérieux. Ah sinon t'aurais été direct. Je suis déçu de moi. Franchement bravo, tu t'es lancé, t'as essayé au moins. En vrai, Seiya, en quelques mots, j'ai été déçu que tu prennes autant de temps. Mais parce que tu m'as dit que tu voulais faire un backflip de base et que j'étais dans la confidence, je suis gentil, je te mets un 7,5. Pour moi c'est plus que bien. Alors, j'aurais réussi le backflip, j'aurais eu 20 sur 10. Vraiment. Attends, et moi mec, de base je me suis dit vraiment c'est une catastrophe, t'aurais mis 5. Mais quand je t'ai vu trop lever en me regardant les yeux en mode tout apeuré, en mode je voulais faire. C'est revenu comme ça.
Je voulais faire le backflip. Du coup, mec, moi je te donne 8. En vrai, non, j'avoue 7. Ouais, en vrai, même moi 7, même moi 7. Ouais, c'était mon truc, normalement. Ouais, j'avoue. Moins que 5. 7, je suis 7. Déçu, moi, juste pour l'intro. Non, parce que t'as tenté, le Kokube, ça se voit que t'étais stressé, t'étais dessus, donc il a essayé un truc. Mais il a essayé un truc. Un truc, ouais. Bon, les gars, c'est parti, cache-cache. Tiens, hop, là, tu commences à chercher, toi. Bon, allez, tiens. Bah, vous avez 1 minute 30 pour vous cacher. C'est parti! Let's go! Trampoline! Tu te mets où, toi? J'ai envie que tu m'aides à faire un truc. J'ai vu que je pouvais monter tout en haut. Oui, oui, on peut, mais c'est cramé de fou. Ah ouais? Fallait déjà faire un cache-cache ici et en vrai, je connais un peu les cachets. Putain. Moi, ouais, je vais essayer un truc. Je vais essayer de monter là-haut, les gars. Si j'arrive à monter là-haut, c'est une dingue. Putain. Let's go. Bon, les gars, en fait, je vous explique. J'ai une cachette, mais elle est un peu risquée. Faut que je monte, les gars. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, je commence à chercher. Ok. On va faire le tour, on va commencer par là, hop voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Eh ben non, il y a personne. Putain, je comprends rien, ils sont bien cachés. Ils sont tous les deux en haut, je pense. Ah j'ai pas eu le temps. Tu m'as pas laissé le temps. T'as eu 1 minute 30, mec. Ok, je vais chercher Raph maintenant. On va aller dans le coin pour enfants. À tout moment, il est caché quelque part ici. Il est pas là. Je pense qu'il va être dans le coin jeu. C'est pas caché dans les Lego par hasard? Je vois un truc de fou furieux là. Je fais le décor. Mais tu sais que t'as failli m'avoir parce que je voulais rentrer dans le truc directement. Sérieux? Je lève les yeux et il y a toi qui est là. Attends, c'est trop drôle. Quand t'étais là-bas, tu m'avais pas vu? Non. Mais ouais, en vrai, ça va. Hein. En vrai, il avait une bonne cachette. Les gars, c'est parti, vous avez 2 minutes. Maintenant, let's go. Oh, je vais le feinter de fou. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais me cacher là-bas au fond. Mais je vais faire tout le tour là-bas. Comme ça, vous entendez plus par là-bas. Vous en pensez quoi de ma technique? Les gars, juste à côté d'Anto, je me cachais là. Et l'Anto, Anthony, il est juste là. J'ai trop peur de me faire cramer en haut en début de partie. Je fais exprès de faire du bruit de fou. Oh non, je peux pas passer. Putain de merde. Bien évidemment, interdit de bouger de sa place. En vrai, les cache-cache, j'adore, mais moi, ça me fait toujours peur de chercher. Je sais pas, genre là, en gros, je me retrouve tout seul avec deux de mes potes qui sont cachés. J'arrive, les amis. En vrai, les gars, pourquoi je me suis mis là? Parce que je suis hyper proche d'Anthony. Et je sais qu'il va partir hyper loin pour aller chercher Seigneur et moi. Du coup, là, il s'est grave éloigné de moi. Du coup, il y a moins que je sois trouvé en deuxième, encore une fois. Et gagner 3 parties d'affilée, bébé. Oh, c'est sûr, il y en a un qui est parti là-bas. Vas-y, suis. Fuck you. Pourquoi il y a un taquillot là? En tout cas, pas mal pour l'instant. Je l'entends plus, ça me fait peur. Regardez la position dans laquelle je suis. Mais où sont-ils? Ah bah, je viens d'en voir un en descendant les marches. Pas mal. Seiya, tu peux te lever? Seiya, non, je suis là, plus haut. Là-haut? Encore un peu là-haut? Mais comment tu m'as vu? Bah, je descendais les marches et je t'ai vu. Tu viens m'aider à chercher Raph? Je crois qu'il a été dans une salle vraiment hyper noire et tout, et ça fait peur. Je crois que Anthony a trouvé Seiya, mais je suis pas sûr. Ah, Shade, où est-tu dans un toboggan, ce bâtard? C'est évident. Ah, oh, j'ai vu Seiya. Je suis en train de voir Seiya, il est là-bas. Dans le tunnel? Ouais, mais je vois rien. Ah! C'est toi qui a pété? Ouais. Bon, au moins, s'il est dedans, il peut se faire. Non, il est pas dedans. Mec, c'est sûr, il est là-bas dans la salle toute noire. Il fait bien frais là où je suis. Il a dit, mec, il parle à l'aise, donc c'est sûr qu'il est là-bas. Ah, Gabe, il me trouve pas, hein. En vrai, j'ai envie de rester là le plus longtemps possible. Ma cachette, elle est tellement pétée en plus. Là-haut, en vrai, on le verrait pas là s'il serait là-haut. Ça se trouve, il est là-haut. Je ne suis pas dans la zone de jeu où tu es à. C'est où ce trou du cul? Oh putain! J'ai été voir partout sauf là. Mec, je te voyais quand t'es parti là. Attends. Bah tout ça, bam bam. Attends, montre. Attends, reste là, remets-toi. Oui, parce que vous voyez là, je pensais pas regarder là. Je vois passer. Je suis. La deuxième fois que t'es passé là, je pensais que tu m'avais vu et que tu faisais semblant, genre. Ah non. En fait, dans ma tête, pour moi, t'étais sur le canapé là-bas ou dans la pièce. Il y avait une pièce là-bas méga sombre de fou, même si je rentre pas là-bas. Let's go, Raph, c'est à toi. Je suis nul pour trouver les gens. On a combien de temps? Bon, 2 minutes. 2 minutes 30. 2 minutes 30. Allez. Let's go. Bon courage. Bon les gars, nous on n'a pas le temps, on va devoir trouver une cachette. Du coup je cours. Oh je sais où je vais me cacher. C'est horrible où je me cache les gars. Je sais pas si il va me voir. Il va gagner.
Anthony va gagner cette manche, c'est sûr. Les gars, c'est peut-être le moment, si vous aimez la vidéo, de la liker, le petit commentaire. Si t'es un bon, tu la partages, mon ref. Je vais bien générer la machine. Là, on dit bien. 28, 29. Je viens vous trouver. Bon alors, déjà, les cachettes faciles. Est-ce qu'Anthony serait pas caché exactement moi où j'étais? Non, il aurait pas les couilles de faire ça. En fait, c'est pas les cachettes faciles que je cherche, c'est les cachettes de merde, là. Les trucs trop faciles, trop nuls, trop gaismer. Typiquement des trucs en mode... se cacher dans les trucs comme ça, là. Ou derrière ça. En fait, Anthony, je le connais. Il serait trop capable de se cacher dans des recoins de trucs de ninja, frère. Genre, Anthony serait capable d'aller tout là-haut, là. Se fout. Bon, j'analyse encore un peu là-bas. Je vais regarder ici. Non, y a rien. En fait, ce qui me saoule, c'est que Anthony, je sais que les cachettes en hauteur, c'est son dada. C'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude de te regarder à ras terre. Mais avec Anthony, je suis obligé de lever les yeux partout. Et ça, c'est très chiant, ça. Bon, je pense sincèrement qu'au rez-de-chaussée, je pense qu'il y a personne. J'ai un peu tout fouillé. À part du côté tout là-bas, et s'ils sont tout là-bas, j'aurais vraiment le seum du coup de pas avoir vérifié. Mais je prends quand même le risque. Je pense qu'on va se diriger en hauteur, premier étage. Ah ouais, il fait c'était pas des là, c'est ça quand on y parlait. Jamais de ma vie je vais là-bas, moi. Regarde le rideau. Oh let's go. Oh, j'ai trop la haine. Ah non, ah, ton collègue doit être pas loin là. Anthony. Regarde un peu sous les canapés, les trucs comme ça. T'es trop nul. Le chien. Je suis beau. Trop gaze. Ah, ça veut dire qu'il m'entend ce chien. Il m'entend ce petit filou là. Il est juste au-dessus de moi. J'ai envie de faire toc 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 toc. Non. Putain. Faut pas que je tousse maintenant. Anthony, pourquoi tu parles plus là d'un coup là? Alors, je sais pas si t'es dans les Lego, mais j'ai la flemme de chercher, frère. Est-ce que tu peux me dire si t'es dans les Lego? Je ne suis pas dans les Lego, je ne suis pas à l'étage. Ah, il est pas à l'étage? Oh non! C'est-à-dire que j'ai mal cherché depuis tout à l'heure? En fait, quand je suis vers ici, il parle plus. Vas-y, les couilles de parler! Oh le chien! Mais wesh! Mais comment il a fait ça? Je vois une petite lumière rouge avec une petite truite d'ombre. Ouais, la caméra a une silhouette, genre. Mec, t'es trop fort. Le grand gagnant sort de sa cachette. Mec, regarde comment je suis rempli de poussière, j'en peux plus. Il y a mes cheveux même derrière, je suis sûr. Waouh, ton t-shirt, il est... Ah ouais. Prochaine activité, let's go. Bon, les gars, on s'est bien dépensé. C'est un peu culotté ce qu'on va faire, mais je vais payer à la fin. Ça sera sur le comptoir, il y aura des petits billets, c'est pour ça, voilà. Bon, on attend que ça cuit. C'est parti. Il est pratiquement chaud. Je vais mettre les petites gaufres. Les gars, c'est pour ça, venez ici, regardez, il y a tout. Il y a des gaufres, regardez, je vous montre le menu. Muffins, gaufres, il y a barbe à papa, granité, des boissons de fou. Avec les petits desserts, là. Donc, venez ici, vous allez vous amuser. Après, vous allez bien manger. En plus, regardez. Il y a un petit truc. Du coup, pour les gaufres, c'est 2 fois 25 secondes. Je peux vous servir un truc? Ça arrive. Un chocolat. Oui, j'ai entendu, monsieur, mais ça arrive, vous pouvez attendre. Oui, allez vous asseoir là-bas avec votre ami. Ah, votre frère. Voilà. Regardez les gars, waouh. Ça, c'est le chocolat. Vous l'allumez. Oh, pour qu'il puisse chauffer et être liquide. Oh, ça, c'est une dinguerie, ça. Et deux. Chaud devant. Oh. Merci, monsieur. Bon appétit. Bah, tu sens pas forcé quoi. J'ai vraiment abusé sur le chocolat, mon gars. J'ai préparé un petit mot avec marqué. On a pris des bouteilles, plus go. Vas-y, voilà. Mets-le là. Hop, voilà, mais pas des voleurs. Ça se trouve, le billet va se faire voler. Et genre, il y aura juste le mot on a pris, genre en mode bisous, au revoir, on me laisse rien, genre. On va aller mettre la tente. C'est dans le trou, chef. Ça se voit qu'on a l'habitude ou quoi, les gars? Attends, t'es vraiment tombé premier degré. J'ai glissé sur le truc. Al bolos. Et voilà, elle est montée. J'arrive à dormir, c'est là. Ouais. Ouais. Mec, il a voulu ramener la tente à Marseille. La tente, elle a volé. La tente, elle est tombée. Elle est tombée. Faut pas la casser, les gars. Faut pas la miniature. Mec, c'était quoi cette casquette de fou en tout là? Il est arrivé en mode Superman. Je voulais trop faire Superman. On a envie de trouver des trucs insolites pour entrer dans la tente, c'est parti. Ok, là ça va être plus fou. Eh, la nuit, c'est méga stylé ici. 6h52. Et on doit partir à 10h. En vrai, je crois que c'est le premier épisode de nous dans aussi longtemps. Ouais, c'est vrai. Vas-y, les gars, dans la tente, il fait trop chaud. Là, ils font que me coller. Oh, je vais dormir ici. Là, j'aurai tout l'espace du monde. Moi, je dors là, je vais être bien. Oh ! Bon, allez, bonne nuit. À demain. Oh, c'est horrible. Oh, je suis fatigué de ouf. Putain.
Cette nuit, j'ai eu trop froid. Je crois que je vais être malade. Bon, une nuit de plus. Bon, les gars, la prochaine fois, dites-nous, on dort où. Bisous les refs, prenez soin de vous.